Hartelijk dank, mevrouw Bertolucci. Wij zullen dan nu onmiddellijk over. Merci, Madame Bertolucci. On va sauter la pause et on va passer à la présentation de la plateforme Belgian Impact. C'est le docteur Philippe Eiselein de l'Université libre de Bruxelles qui va vous présenter la plateforme. Merci. Je vais partager mon écran. Voyez-vous bien mon écran? Oui, donc c'est parfait. Un grand merci, messieurs les ministres, excellences, professeurs, mesdames, messieurs, chers participants à cet événement du Single Market Forum. Je souhaite évidemment remercier aussi la Commission européenne, le SPF Économie. Je veux les féliciter également pour cette journée d'inspiration. Nous sommes très reconnaissants de cette chance qui nous est donnée de partager avec vous cette histoire de Belgium Impact. Alors le pourquoi, notre raison d'être, eh bien pour vous l'expliquer, je dois remonter 3 années dans le temps pour vous expliquer la naissance de cette histoire passionnante en juillet 2018. Une table ronde a alors été organisée en présence de Sa Majesté le Roi, précisément pour discuter de l'entrepreneuriat social. On avait déjà beaucoup discuté sur le terrain en concertation avec des dizaines d'experts. Il a alors proposé, en ce qui concerne environ 1000 initiatives, d'arriver à rassembler celles-ci de manière à mieux communiquer, informer et interagir pour construire une société plus durable. Pendant de nombreux mois, les participants ont discuté de différents thèmes et ils étaient très enthousiastes afin de pouvoir donner une réponse à la question suivante: que pouvons-nous faire pour l'entrepreneuriat social? Ces membres sont devenus d'ailleurs les membres fondateurs de la plateforme BIMPACT. Nous nous sommes rapidement rendus compte que l'entrepreneuriat social, c'était un champ de tension où il y avait beaucoup de défis, et l'un des plus importants était qu'il fallait attirer plus d'attention sur cet entrepreneuriat social. Alors, d'une part, il y a un manque de visibilité, de reconnaissance, qui est certainement très important. Il faut montrer à quel point cela contribue à la société. En plus, de nombreux acteurs ne se connaissent pas et ne savent pas où ils peuvent s'adresser pour être soutenus. Par ailleurs, le public n'est pas toujours au courant de ce phénomène et ne sait pas non plus comment eux-mêmes peuvent fonctionner de manière plus durable et contribuer eux-mêmes en tant qu'individus à la société durable. C'est quelque chose qui est très compliqué et qui est très éloigné de ce qu'ils font tous les jours. Or, certaines de ces initiatives ont eu pour but de résoudre cela. Alors, par ailleurs, il y a aussi des organisations, des initiatives qui ont travaillé parallèlement plutôt que de travailler ensemble. Alors, l'écosystème actuel en Belgique est plutôt fragmenté. On pourrait donc dire qu'il faut arriver à relier les points, pour ne pas dire les gens, et qu'il faut construire des ponts. Et c'est ainsi que cette idée a vu le jour et que l'on a eu 25 partenaires différents qui ont décidé de remonter leurs manches pour développer cette plateforme afin de soutenir l'entrepreneuriat social en Belgique. Et c'est ainsi que nous avons lancé cette plateforme le 24 juin 2019. Nous avons salué la diversité et tout ce que l'entrepreneuriat social représente. Nous avons décidé d'avoir une approche très large, une définition qui l'était tout autant. Par entrepreneurs sociaux, nous entendons les entreprises dans laquelle la gestion, l'administration a tout d'abord un objectif social. Alors notre objectif à nous avec la plateforme, c'est d'ailleurs d'informer
d'inspirer et de pouvoir interagir et donc de donner une réponse aux questions posées lors de nombreux contacts sur le terrain, aussi avec Sa Majesté le Roi, comment l'on peut avoir un bon écosystème qui fonctionne à ce niveau-là. Souvent, Sa Majesté le Roi a visité ce type d'entreprise. Il y a d'ailleurs fait référence dans son discours et toutes ces entreprises pionnières auraient voulu pouvoir avoir un lien entre les entrepreneurs sociaux et le grand public. Et pour cela, nous avons besoin de plus de visibilité. C'est la raison pour laquelle nous avons développé cette plateforme. Alors, notre force, elle est dans le fait que nous partageons les mêmes valeurs, la même philosophie. Les membres qui nous composent, que ce soit des entrepreneurs sociaux, par exemple, Reganus, Close the Gap et d'autres encore, et Confort Plus, etc. Conclusio. Et des universités également, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Liège, l'Université libre de Bruxelles, Lyon, donc l'Université d'Anvers, aussi la vraie Université de Bruxelles, BNP Paribas-Fortis, FDP, et également les autorités comme le SPF Économie. Nous avons également Concertes, HOPET Belgique et d'autres choses encore. En fait, nous sommes convaincus que Belgium Impact est unique précisément parce que ces différents acteurs peuvent y conjuguer leurs forces avec comme objectif l'entrepreneuriat social. Alors, en général, cette plateforme, elle a été construite sur cinq piliers. Alors, le premier, c'est d'écouter les histoires qui peuvent être source d'inspiration de tous ces entrepreneurs. Ils peuvent remplir un formulaire. On vérifie également que les informations sont correctes. Et chacun de ces entrepreneurs que nous mettons sur notre site Internet nous dit à quel objectif de développement durable ou ODD il veut contribuer. Le suivant donne un aperçu des organisations qui peuvent soutenir ces organisations sociales. Nous pensons aux incubateurs, aux financiers, aux accélérateurs, aux centres de connaissances, aux organisations de réseautage, etc. Les entrepreneurs sociaux peuvent ainsi beaucoup plus facilement s'y retrouver dans les organisations et voir celles qui répondent à leurs besoins. Alors le troisième, c'est une bibliothèque centrale où nous avons un aperçu de tous les livres, les articles scientifiques, etc. sur les différents types d'entrepreneuriat social. Une connaissance qui est autrement fragmentée via les différents secteurs. Alors nous avons un quatrième pilier. C'est en fait un agenda qui reprend tous les événements en lien avec l'entrepreneuriat social en un seul endroit central, ce qui permet plus de clarté en ce qui concerne les formations, les workshops, les rencontres de haut niveau, les webinaires, les événements, à un seul et même endroit. Et ainsi, chacun peut également partager des événements dont il pense qu'ils peuvent être pertinents pour l'entrepreneuriat social. Notre cinquième et dernier piliers sont effectivement nos activités de réseautage, de mise en réseau. Nous voulons faire en sorte que les différents acteurs de ce monde de l'entrepreneuriat social peuvent faire entendre leur voix, peuvent s'exprimer. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce qu'on appelle des blind dates, c'est-à-dire des rencontres numériques, de manière à ce que les entrepreneurs sociaux peuvent mieux se connaître les uns les autres et aussi connaître les différents outils et mesures de soutien dont ils peuvent disposer. Alors, tout cela s'est déroulé suite donc à notre premier anniversaire. C'est ce que nous avons accompli pendant une année. Nous avons eu toute une série de parties prenantes et d'acteurs du terrain que nous avons pu ainsi rassembler. Alors, pour le moment, tout proche de notre premier anniversaire, nous avons pu rassembler toutes ces organisations dans l'entièreté du pays, ainsi que je l'ai déjà dit. Nous avons une vision large de ce qu'on entend par entrepreneuriat social. Nous avons une perspective à 360 degrés.
Ça veut dire que cela englobe non seulement les ASBL, que aussi les autres entreprises qui visent le profit. Nous pensons que ce qui est important, c'est de rassembler un maximum de cas qui nous permettent de tirer des leçons et d'être couronnés de succès. Alors, nous avons compris peu à peu que toutes ces organisations ont tout un message et une histoire qui peut nous inspirer. Et nous avons constaté qu'effectivement, ces organisations les retrouvent dans les secteurs les plus divers, la biodiversité, l'économie circulaire, l'enseignement, l'énergie, l'alimentation, l'IT, la santé, l'exclusion sociale, le travail, pour vous citer certains d'entre eux. Notre premier anniversaire, nous avions reçu pas mal de demandes des entrepreneurs sociaux et notre objectif était donc d'aider ces entrepreneurs sociaux, de les orienter grâce à une espèce d'appariement ou de matching, si vous voulez. Et malheureusement, c'est tombé à un moment plutôt inopportun. Nous avons reçu toute une série de questions au cours des premiers mois du confinement. À ce moment-là, nous avions trouvé 4 thèmes que nous voulions aborder lors de notre webinaire d'anniversaire avec plus de 500 participants. Alors, d'un côté, nous avions aussi Sa Majesté de la Roi, le Roi qui nous soutenait. Nous avons aussi Mohamed Younous, donc, qui a remporté le prix Nobel. Ça nous a permis d'organiser une réflexion aussi sur les défis de la COVID-19, les possibilités de financement, les opportunités manquées, mais aussi les chances que peut offrir la crise de réagir différemment ou de se réinventer, de réinventer son entreprise ou son modèle commercial. Alors tout cela, voyons ce qui se passe 2 ans après, eh bien cela aboutit à un renforcement de nos liens avec les entrepreneurs sociaux sur le terrain. Notre nombre de membres ne cesse d'augmenter et simultanément, nous nous sommes concentrés le plus possible pour arriver à déployer notre écosystème dans tout le pays. Nous avons plus de 100 organisations auxquelles les entrepreneurs sociaux peuvent s'adresser. Alors, il y a toute une série d'institutions de crédit, crowdfunded, des fondations, des associations, des plateformes, du microfinancement, des organisations de réseau, des organisations philanthropiques, des fonds publics, des conseillers, des centres de recherche, des organisations publiques, etc., etc. Et nous voulons évidemment encore nous étendre, continuer à croître dans la mesure du possible. Comme je vous l'avais dit, la connaissance doit être accessible et doit être partagée le plus facilement possible, les livres aussi. Nous rassemblons donc les ouvrages les plus pertinents de manière à offrir un soutien efficace aux entrepreneurs sociaux. Et nous ne pouvons que nous développer positivement en partageant la connaissance. Et si nos entrepreneurs trouvent ce qu'ils cherchent, ils peuvent eux-mêmes soumettre leur histoire ou consulter l'histoire de l'entrepreneuriat social dans d'autres pays. Le partage des connaissances, dirais-je, est sans doute la seule manière de multiplier les connaissances. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, nous avons organisé toute une série d'événements pertinents qui ont été mis sur pied par des entrepreneurs sociaux ou par des organisations, comme certaines que l'on a mentionnées lors du discours d'introduction. Et nous pouvons aussi nous inspirer d'autres écosystèmes de manière à pouvoir augmenter notre impact. Après cette brève présentation, je voudrais terminer par un appel à l'action, un call to action. En 3 parties, nous voudrions que tous les entrepreneurs sociaux présents qui ne font pas encore partie de Belgium Impact Envoi,
leur dossier. Cela ne prend que 10 minutes de remplir le formulaire et c'est entièrement gratuit. Je pense que c'est important. Mais si vous pensez à d'autres entrepreneurs sociaux qui devraient nous rejoindre sur cette plateforme, n'hésitez pas à leur transmettre les informations pour compléter la plateforme. Un deuxième appel à toutes les organisations qui nous soutiennent, enfin qui soutiennent l'entrepreneuriat social et que nous n'avons pas encore découvert, de se manifester. Elles peuvent envoyer aussi leur candidature pour nous rejoindre. Et enfin, en tant que Belgium Impactic Organisation, nous sommes à la recherche de partenaires stratégiques. Cela signifie que nous avons l'ambition de continuer à soutenir cet entrepreneuriat social. Nous cherchons les moyens les plus adéquats, les personnes les plus adéquates et aussi le budget pour pouvoir étendre notre champ d'action au-delà de l'écosystème belge. En effet, nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat social, c'est la voie du progrès et que nous en aurons encore plus besoin pour aboutir à une société plus durable. Je vous remercie tous pour votre attention, pour l'intérêt que vous portez à cet événement. Je pense que nous venons de loin, que nous devons tous collaborer et que c'est d'ailleurs notre devoir. Alors de vous informer et aussi de vous inspirer. Je vous remercie encore et je pense que nous allons passer à la partie suivante de l'événement. D'accord, effectivement, merci Monsieur Heijelijn, peut-être devrions-nous faire 5 minutes de pause pour se retrouver à 10h20 avec le débat, avec nos panélistes, notre table ronde. Voilà, on se retrouve dans 5 minutes à 10h20. À tout à l'heure.